Qu'est-ce qu'on fout là, Jean-Christophe? C'est vraiment de la merde, mais que font les autorités? Victor, aujourd'hui nous allons parler des hyperlieux, un concept tout simple, qui implique notamment le concept de mondialisation et de glocalisation. Qu'est-ce qu'on fout ici? Elle est où la mondialisation? Enfin Victor, ne fais pas le nigo. La mondialisation a profondément redessiné notre compréhension du monde, et notamment de la manière dont les différents lieux peuvent être interconnectés ensemble. Certains penseurs, certains chercheurs en géographie ont notamment développé l'idée de non-lieu, cette idée que le global amènerait l'aliénation du local, écraserait le local dans ses particularités. La notion de non-lieu développe le fait qu'un territoire, par exemple japonais, américain, français ou même allemand, du fait de son intégration à la mondialisation, serait totalement nié dans ses particularités, dans son identité singulière, et ne formerait plus qu'une sorte d'ensemble uniforme, uni, qui n'aurait plus aucun relief local, aucune culture locale. Et c'est cette première conception que nous allons remettre en cause aujourd'hui avec la notion d'hyperlieu. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore que ces conneries de mondialisation? C'est encore un truc d'ultralibéral américain, moi de toute façon, je vote cheminade. Enfin Victor, toi aussi tu peux être un jeune entrepreneur dynamique, intégré à la mondialisation. Faisons une expérience ensemble. Alors moi j'ai imaginé, vu que je suis du Nord, que j'entre dans la grande gare de Lille. Ou imaginez, vous savez, dans la gare de Lyon, Marseille, comme vous voulez, celle qui vous est le plus connue. Donc vous rentrez dans la gare, et là sur la droite vous pouvez apercevoir un guichet de vente de tickets qui vous donne accès à de multiples destinations. Par exemple, vous pouvez aller à Bruxelles, à Berlin, vous pouvez aller à Madrid. À côté, vous pouvez avoir une certaine franchise, une célèbre franchise de vente de cafés mondialisés, américains, qui peut se retrouver dans différentes gares, que ce soit de France, de Navarre ou d'ailleurs. Encore à côté, vous pouvez voir un businessman qui sort de McDo, avec son air très guindé, son costard, un peu méprisant, bien sûr, businessman. Et juste à côté, vous pouvez voir quelqu'un dans le besoin, en difficulté, qui profite de la gare justement pour avoir accès à Internet, pour avoir rechargé son téléphone. Et ensemble, vous pouvez voir du coup, dans un même lieu, cette gare, la gare de Lille, un ensemble d'activités, de dynamique mondiale se retrouver dans un même endroit, dans un même lieu, dans un hyperlieu. C'est-à-dire que ce lieu va être une sorte de concentration de la mondialité, de la mondialisation. Une hyper-mondialité. Il va concentrer un ensemble d'échelles à un lieu hyper précis. Et cet ensemble de lieux, vous pouvez le trouver n'importe où. Aussi bien en France, aux États-Unis, dans un aéroport, dans une gare, au Japon, à Times Square. Cette idée vraiment que la mondialisation peut faire exister différentes échelles dans un même lieu qui est au cœur des hyperlieux. De toute façon, moi, que j'aille à la gare de Lille ou de Bouvigny, c'est partout pareil, hein. Mais Victor, derrière la notion d'hyperlieu, il y a aussi l'idée qu'un espace local, un territoire, puisse s'approprier à sa manière, selon ses particularités, des dynamiques mondiales, mondialisées. On va prendre l'exemple des malls américains. Ce sont de grands centres commerciaux, très normés à travers les États-Unis. Ils ont une architecture très particulière, une place centrale, où les différents consommateurs peuvent se retrouver, discuter, manger, etc. Et tout autour, les boutiques. Mais cette architecture très normée aux États-Unis est totalement différente en Chine. Ce qui fait que les Chinois ont adopté une architecture très normée, un mode d'hyperlieu très normé, et l'ont adapté à leur propre sauce, au niveau architectural, décoratif, et même au niveau des différents modes de consommation qui s'y trouvent. Donc un hyperlieu est approprié par l'espace, approprié par le territoire local. Et c'est ça qui fait la glocalisation. C'est que deux échelles s'interpénètrent. Eh mais c'est un hyperlieu ici. Je suis à Béthune, une grande ville du bassin minier, et j'ai une connexion internet. Je vais trouver des copains. On est hyper connectés ici, hein.